Bon, bah, on va se mettre un peu de musique. Hein. Alors, ça marche pas. Donc voilà, j'avais récupéré. En fait, hier, j'ai commencé un projet. Et merde, je suis toujours en plein de chat. Attendez. Voilà. Donc hier, j'avais récupéré template et j'avais voilà fait quelques modifications dessus parce qu'en fait ce que je suis en train de faire c'est un site vitrine et en fait à ce site vitrine il faudra bah comme un site vitrine faire la présentation de la personne là en l'occurrence c'est une tatoueuse ça. Je vais le laisser là, ça je vais le modifier forcément parce que c'est pas du tout adapté. J'avais écrit de la merde ici, mais je sais pas si je vais changer ça. En vrai, je vais le changer parce que j'aime bien les trucs des Rolling Stones, tout ça, tout ça. Ça, il faudrait que je mette un truc un peu plus sérieux. Et voilà, après ça aussi je changerai. Ça, j'arrive pas à le centrer, ça me saoule. Et voilà, donc là pour l'instant, aujourd'hui je vais m'attaquer à cette partie-là que je vais modifier. En vrai, le template, j'ai pas touché des masses parce que il était exactement comme je voulais qu'il soit. Et voilà, j'ai rien à dire de plus, donc on va s'attaquer à ça. Donc là, on est sur l'index de la présentation. Pour cette partie-là, on avait information, je crois que c'est ça, qui était importé depuis Pages, Landing Pages, About Us, Section, Information. Voilà, c'est ça, je crois. Attendez. Attendez, oh, c'est pas le moment. Ça, image. Ah bah c'est ça, voilà, j'ai trouvé. Donc Néo. Non, c'est non. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il aille récupérer ça dans les assets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'image dans les assets. Magnifique tête. Cette image-là, on va le mettre dans les assets. Assets, image. Ok. On va l'appeler. Non. Regarde.
Et du coup, dans image, j'aimerais qu'il aille chercher. Alors là, on est où? Ah, je sais pas. Pages Company. Je remonte suffisamment loin. Ça me saoule. Mais en théorie, ça devrait être bon celui-là. C'était sûr que ça marcherait pas. Mais merde, j'arrive pas à... J'arrive pas à trouver le bon chemin. C'est une background, une image, c'est pas une image, image. Ouais. Et si, ah, matériel, kit, react, statique, média. Je vais essayer ça.
Et ça marche toujours pas. Génial. Le truc, c'est que cette image, elle venait d'Internet. Mais... Pause. Team, comment ils ont fait pour la team? Import team from... Je vais faire comme ça. Ça a marché. Voilà. Donc, en plus, elle est bien cette. Franchement, cette photo, elle est vraiment cool. Donc, là, je vais mettre. Non, enfin, plutôt ici, je vais mettre une description. En vrai, je vais pas faire plusieurs pages. Je vais faire juste une page. Voilà. Où il y aura tout dessus. Ici, au lieu de mettre l'executive team, je vais mettre les exemples. J'aimerais bien mettre un carrousel. Donc là, par contre, je vais devoir modifier le template. Et j'espère que je vais pas tout péter. Et là, je me demande si c'est utile de rajouter une encre. Ça va sauter. Ça aussi. Voilà. Peut-être un background plutôt thème foncé, hein. Je voulais faire un montage plutôt que de mettre ça en arrière-plan. Je voulais mettre autre chose, faire un montage de plusieurs flashs, mais ou alors de. En fait, j'imagine un montage avec le logo au centre et juste sur les côtés mettre deux exemples de flash.
couleur un peu dans ce style là quoi. Donc, faut que j'arrive à trouver où est-ce qu'elle est cette putain de couleur. Princesse. Mais tout ça parce que ça... M, Kama, Box. Voilà. Parfait. Ah, mais ça m'a pas fait les borders. Pourquoi ça m'a pas fait les bordures radius? Ça met un padding. Ah, c'est le padding. Pas dit une fichier. Mais pourquoi ça prend au milieu? On prend pas une musique comme ça au milieu. Border. Attends. Pas fou hein. Putain, fais chier ce padding de merde. Là, par contre je viens de capter l'image elle sort complètement du truc. Ça va pas. C'est quoi ça?
set boundary, the restrict the background only to the content itself. J'ai pas compris en fait, c'était quoi le problème du mec? Ah oui, mais oui. Bah, on va essayer ça. Build fail, syntaxe erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, faut pas tirer, c'est ça. Bah, d'accord. Add an inner box shadow with a spread radius. So say the padding is 10 pixels, set box shadow in set. Je vais mettre un padding. Ok, bon, on va faire le box shadow.
J'aime bien parce qu'il y a un prêtier pour. Putain, c'est pas là. Ah, chier. J'étais presque sûre que c'était là. Désolée si je chante, mais cette chanson, je peux pas m'en empêcher, elle est trop belle. Preview. Je vois pas où est-ce que ça pourrait être. Oh mais non, c'est. Oui, non, c'est pas là. Là, pour le coup, information, c'est le contenu du. Mais non, c'est pas là.
heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth.
peu ce style de couleur. Putain, j'aime pas cette chanson. J'ai pas envie de l'écouter maintenant en tout cas. Ah ouais, celle-là elle est bien ça. J'avais déjà fait écouter. Je sais plus comment on définit la transparence. C'est moche. Même en transparence, c'est moche. Mais c'est chiant. Pourquoi ils ont foutu ça comme ça? Faut que je règle ça aussi. Une chose à la fois, je vais pas essayer de régler ça tout de suite, le truc ici, là, les bandes blanches. Je vais d'abord m'occuper de la barre en haut, de la navbar. Je réfléchis à ce que j'aimerais mettre dedans. Parce qu'en soi, j'ai pas forcément besoin qu'il y ait quelque chose. Attendez. Quand c'est comme ça, on va voir comment sont faits d'autres sites du même genre. Je vous avoue que moi, j'ai jamais. Enfin, j'ai fait des petits projets à l'école, mais. C'est des petits projets, quoi. Ouais, c'est un. Ils ont fait un fond d'écran quoi, qui. Je vais aller voir sur internet. Potentiellement un très bon site. Ils ont pas de site. Si. Mais. Y a personne qui a de site. Sans rendez-vous, c'est bizarre, non? Je sais pas. Bon, ils sont tous marqués sans rendez-vous, c'est un peu étrange. Je pense pas que ce soit bon. On va pas faire comme ça.
celui-là par exemple. Là, je commence à avoir faim. Voilà, on va prendre ça. Il y a eu une animation bizarre là. Non, je sais pas. Oui, c'est vrai que... Ah, c'est par WordPress qu'ils l'ont fait. Ok. C'est vrai que j'aurais pu faire un truc en WordPress, mais je voulais m'entraîner au React parce que je n'avais jamais fait de React. Sauf que là, du coup, on ne part pas sur un studio, on part vraiment sur un tatoueur qui n'a pas de studio. Ah, ils ont une chaîne YouTube. Oula. Je vais juste aller voir. Pose un dossier. J'adore. Mmh. Oh, il est beau. Il y a de la couleur, j'avais pas vu. Waouh. Une fois cicatrisé, il doit être encore plus beau parce que là, il fait un peu rouge et tout, mais... La cicatrisée doit être super jolie. Ils ont quoi d'autre? Mais ils ont pas. Ils ont rien d'autre. Juste aller voir Insta. Celui-là, j'aime bien. Ah, celui-là aussi, il est mignon sur les pieds. Ça pique un peu sur les pieds quand même. Bon, du coup, ça répond pas à ma question de qu'est-ce que je mets en... Faudrait juste que je mette les trucs là, alors qu'ils sont déjà partout. Là, je mets les réseaux. Sauf que du coup, si on n'aurait qu'un seul réseau, ça fait un peu chier. Ou alors, je mets des hooks, mais des hooks juste pour aller sur une page. J'avoue que je suis pas fan de l'idée. Sinon cette barre là je la jette. J'ai envie de la jeter la barre. On va voir ce que ça fait ça. On est où là? Présentation. Jette la barre. Boum. Define but never use. En vrai, ça fait mieux comme ça. Non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait plus aéré. Bon, y a toujours le souci de cette putain de truc blanche là, mais je vais m'en occuper après. Mais sans la barre, en vrai, c'est cool. Moi, j'aime bien. De toute façon, ce sera vraiment un... C'est, le but, c'est, là, c'est de faire un site vitrine à la con, tout simple. Avec, voilà, les descriptions, en gros, les adresses et tout. Après, dans la navbar, j'aurais aussi pu mettre les adresses, mais... je vais essayer de tout faire sur une seule page. Sur une seule page.
Genre l'adresse, on peut très bien la mettre ici dans les infos. Ici, je vais mettre du coup un carrousel. Ça va dégager, ça va dégager. Et ça, je vais faire un tri. J'ai changé le copyright. Voilà, ça, je suis relativement fan comme ça. Donc là, on va s'attaquer à ça. C'était dans section featuring. Alors, juste comment, qu'est-ce qu'on va mettre comme information dedans? Faudrait mettre. Attendez, je reprends les infos. Faudrait mettre adresse, le numéro de téléphone. Quoique le numéro de téléphone, je sais pas. Pas fou. Adresse. Le type de tatouage. Le nom de la personne. Le contact. En fait, je pense que toutes ces infos là, je vais les mettre. Ouais. Je pense savoir ce que je vais faire. Sur rendez-vous, faut le mentionner aussi. Les horaires. Bon, on a une idée de ce qu'on va faire à peu près. Donc, comment on va organiser ça pour que ça soit pas fouillis? Déjà, on oublie le truc en carré là avec quatre parties. Il faut tout mettre. Oh, je l'ai toujours pas vu, Wonder Woman 1984. Elle a une chouette armure. Attendez, prise de notes. On a l'image ici, la présentation. Là, on va mettre, du coup, j'avais dit, le style de tatouage.
L'adresse. Rendez-vous. Je vais mettre un truc sous un tatouage quelque part. En fait, j'aurais peut-être dû garder le bandeau finalement. Mais. Enfin, la navbar, pas le bandeau, mais. En vrai, avoir un bandeau juste pour les soins du tatouage, ça me fait chier. Est-ce que les soins du tatouage, je peux pas les foutre ailleurs, en bas de la page, quelque part? Genre, mettons, je les mets là. Je mets un petit bouton pour qu'il renvoie vers le PDF des soins du tatouage. Ce serait pas mal, ça. Enfin, ce serait pas mal. C'est le plus simple à faire, je pense. Parce que de toute manière, les gens qui veulent les soins du tatouage, c'est pour les avoir tout le temps avec eux, pour potentiellement les imprimer ou un truc. Après, le but, c'est quand même d'être zéro papier, donc au moins les avoir sur le téléphone. Donc ça leur permet de le télécharger sur leur téléphone, de checker. Donc ouais, je serais assez d'avis de rajouter une sorte de bouton central pour qui renvoie vers le lien des... Les soins du tatouage. Ouais. Donc là, on aurait style, adresse, rendez-vous avec rendez-vous, les horaires. Horaires. Mettre une explication pour les arrêts. Bonjour Fred, comment ça va? Je pense qu'on est bon là. Après je pourrais acheter des trucs à la volée. Donc on va commencer avec ça déjà. Alors, grid, code base, non. Du coup, les grids. Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis en train de me remettre à dev doucement. Ça faisait un moment que j'avais arrêté. Donc là, je me suis un peu motivée à faire des projets. Je suis créatrice de site web, non. Enfin. Je suis en étude pour devenir dev et du coup j'essaie de faire des sites et tout. Enfin, j'avais des projets à l'école qui étaient beaucoup axés sur le web. Mais moi de base j'aimerais bien travailler dans le jeu vidéo. Mais bon c'est. Voilà, c'est pour pas perdre la main quoi. Et puis surtout parce que React j'en ai jamais fait et comme c'est à la mode, ben je me dis que ce serait pas mal que j'y touche un peu quoi. Donc voilà, je m'intéresse un peu à du React. Mais React, bah, c'est bien pour les sites web. Et voilà, c'est pour ça que je vais faire un tout petit projet, genre site vitrine. Mais déjà, pour moi, c'est pas mal. Parce que, en plus, niveau design, je suis un peu nulle à chier. C'est pour ça que j'ai récupéré un template sur Internet et je modifie des trucs dessus. Pour avoir une certaine cohérence et tout ça au niveau des composants, enfin au niveau du visuel, une certaine cohérence visuelle. Mais voilà, sinon je suis pas créatrice de site web, je suis apprentie. Ok. Alors du coup, on va avoir une adresse mail.
Alors, comment ça marche les grid spacing 3 SX? C'est quoi le SX, SX prop thème? Comment ça se fait qu'ils importent les trucs Netflix ici? Je me suis trompée de trucs là. Ah bah oui, je me suis trompée. Les featuring en fait, c'est les Netflix et tout. Donc c'est là en fait le. Ah bah oui, mais je suis con, c'est toujours dans Information. Donc. Ça va être un peu le style Bootstrap. Salut, merci. Merci pour la force, c'est gentil. Et merci pour le follow, c'est trop, trop gentil, merci beaucoup. Et salut. Remercie pour le sub 78, ça va bien et toi? Alors. Container, le spacing, align item center, item, LG6, justify content. Alors, Bootstrap, c'est un peu le même fonctionnement que Bootstrap, j'ai l'impression. Voilà. Là, on va avoir. Je vais juste tester un truc. C'est comme ça moi que je. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Donc là, j'aimerais bien que ce soit des roues. Genre une box par roue en fait. Donc pour ça. Le problème, c'est que ça marche pas avec Bootstrap, donc voilà. Donc en fait, il faudrait mettre 12 partout. Je sais pas si c'est très propre de faire ça, mais comme ça me permet d'avoir un truc par row. Voilà, donc c'est à peu près ça que je voulais. Parfait. Je tiens au courant, ma pote. Quel ordre on va organiser les infos? Qu'est-ce qui est le plus important à savoir? Faut que je me focus. Première chose, alors j'avais classé ça comme style, adresse, rendez-vous. Faudrait mettre rendez-vous avant adresse. Après, je mets style avec rendez-vous, adresse, horaire. Et là, l'explication des arrêts et tout ça. Donc. Je vais retirer les icônes. Oh.
Ou alors, je vais peut-être essayer de trouver des trucs. Ouais, mais ce sera pas. D'ailleurs, les icônes, où est-ce qu'ils les trouvent, eux? Icônes. Je sais pas où est-ce qu'ils les trouvent. Je sais pas du tout ce que ça fait, ça. Ouais, non, j'ai aucune idée de comment ça marche. Donc, bah écoutez, j'ai pas envie de retirer les icônes. J'aurais bien aimé pouvoir en mettre d'autres. Mais en même temps, est-ce que c'est franchement utile? C'est pas franchement utile. Donc, bah ça jette. En plus, elles sont pas super belles non plus. Enfin, ça va pas avec le style que je veux donner. Voilà. Merde. Donc là, on a à peu près la structure. Par contre, pourquoi il y a un gros écart entre les deux là? C'est quoi cette merde? Ah, mais ça va pas du tout. Ça va pas. Non. Ah, mais comment ils font les devs qui s'occupent que du CSS, quoi? Les front devs, là. Alors. Grid. Ah oui, mon bébé, j'arrive. Je t'ai pas donné à manger. Lulu. MD12, donc ça c'est pour chaque grid. Par contre, chaque grid n'a pas la même MKBox. C'est peut-être pour ça. Ouais, c'est pour ça. J'espère que ça va pas tout crash. Voilà, là il y a le même espacement. Là on est cool. Voilà, là c'est propre. Oh, mon collier arrive. Demain, il arrive demain. Ok. D'accord. Je vais changer la couleur aussi. Je sais pas comment on va la changer, mais on va bien trouver. Ça doit être dans MKBox Component. Attendez, je récupère le style. Je sais pas si tout correspond au style, faudrait que je lui demande avant de. Parce que j'avoue que tout ça, je m'y connais pas des masses.
J'avais mis adresse. Après voilà, à voir s'il faudra mettre une adresse plus précise, j'en sais rien. Je pense pas. Donc pour l'instant je ne vais pas le faire. Je sais pas si je peux mettre des sauts de ligne. Attendez. 10h, 13h. Ça, ouais. Donc, je vais essayer de mettre des sauts de ligne, voir. Je sais pas si ça va interpréter les retours chariots comme ça. Il y a peut-être moyen que les soulignes, ça marche. Lundi, vendredi, jeudi fermé. Samedi. On va voir. Et non. Pourquoi il me fait chier? C'est le linter là qui casse les couilles. Replace. C'est ça qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ça aussi, je le remets à la ligne. Enfin, je le colle. Ok, c'est ça qu'il voulait. Le linter, des fois, il est un peu con. Hein. Bon, le saut de ligne n'a pas fonctionné. Sinon, je fais juste un deuxième... Je sais pas si je peux faire deux descriptions. Un deuxième default info card. Et chouchou, j'arrive. Le chat, il est au bout de sa vie. Non mais non, je peux pas faire comme ça. Faut vraiment que j'arrive à mettre un retour chariot. On va voir si. Ça n'interprète pas. Bon. Alors. Pour l'instant, voilà, je vais changer la couleur ici.
ce blanc là, je vais essayer de le dégager parce que vraiment j'aime pas. Et puis peut-être l'image, je la changerai. Je vais mettre un montage avec le logo assez clair. Ouais, je suis à fond. Je vais mettre le logo assez clair au centre et puis sur le côté, je vais mettre deux exemples de flash. Et là, en dessous, je vais mettre un carrousel, donc des photos qui défilent avec plusieurs des créations. Ici, je vais mettre un lien qui mène vers la feuille de soin. Et ça, je vais le dégager. Ou alors, je vais mettre ton adresse mail. Voilà, email lien, je vais mettre l'adresse mail ici. Ça, je vais le refaire. Le footer, je vais le refaire. Et voilà. Après, normalement, ce serait pas mal. Et pour ce qui est de la feuille de responsabilité, j'avais eu une idée où en gros la feuille de responsabilité, donc en scannant un QR code, elle serait ouverte en PDF et le PDF on pourrait le remplir directement, enfin c'est Mathieu qui a eu l'idée, on pourrait le remplir directement sur téléphone avec mode PDF quoi. Et pour la signature, ça se ferait avec une image ou quoi, et à ce moment là les gens ils pourraient genre je pourrais mettre le QR code quelque part dans la page, donc les gens ils pourraient y aller directement sur leur ordinateur. Voilà. Et le faire potentiellement avant le rendez-vous. Ce qui serait pas mal, je pense, d'après moi. Comme ça on serait zéro papier. Et du coup, quand ils auraient fini de remplir le PDF, ça te serait envoyé automatiquement par email sur ton adresse mail. Voilà. Comme ça, zéro papier. Une description ici. J'ai pas envie de m'attaquer directement au carrousel parce que ça va être l'enfer. Du coup, je vais juste finir bien cette partie-là. Ouais, voilà, on va faire en sorte que ce soit envoyé directement par mail quand ils ont fini de remplir le PDF. Voilà. Voilà. C'est tout ce dont on avait pensé. Pourquoi ça fait de la merde là? Parce que tout est ouais, j'ai mis tout en blanc alors que normalement c'est tout en noir alors que normalement c'était blanc. Je réfléchis. Qu'est-ce que je vais faire pour arranger le truc blanc là dégueulasse ici? Il faudrait que je trouve un moyen de l'enlever en fait. Ou de faire en sorte que l'image elle soit redimensionnée. J'arrive mon amour, j'arrive. T'es sage. T'es très très sage, c'est bien. L'image, je l'ai mis où elle était là.
inspi. J'ai pas d'inspi. Souligne parce que là c'est dégueulasse. Voilà. Un truc dans le genre quoi. Voilà. Find out more. Ça va dégager. J'hésite à rajouter une encre en vrai. Parce que c'est pas forcément très utile. Mais les boutons, on a toujours envie de cliquer dessus. Donc si je fais un find out more et que ça renvoie à ici, ça peut être sympa. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, je pourrais. Faut juste que je comprenne comment ça marche. Je sais même plus comment faire un hook. Ah, les yeux. Ah ouais, je préfère ça. Pause. Je l'ai récupéré. C'est pour ça que je suis passée en mode scred. Merde, je suis con. On va voir si c'est mieux comme ça. Ouais, non, c'est toujours le même. Mais c'est pas grave, hein. En vrai, je vais juste faire disparaître ce cadre à la noix, là, ici. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait un cadre dans le cadre qui... C'est comme s'il y avait une fenêtre, en gros, dans la div, dans le cadre noir. Mais de rien, moi, ça me fait super plaisir. Ça me fait me replonger dans mon boulot. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelque chose pour m'aider à me remettre dedans. J'ai pas fait de faute d'orthographe.
faut que je change cette couleur. Vraiment, j'aime pas. Default info card. J'arrive, Lolo. Dans example card. Info card default. Elle est où la couleur? Couleur info. Ah, c'est là. Donc quand on déclare un default info card, on met la couleur en paramètre. Ah, ok. D'accord. Mais elle est où? Ah, elle est là. Donc là, on va mettre color égal. Et là, il faut que je choisisse la bonne couleur que je veux. Qu'est-ce qu'on choisit comme couleur? Un joli doré. Un joli doré, bronze, cuivre. Tu vois le genre? Tu vois le genre? Oui, il voit le genre. Je suis très mauvaise pour choisir les couleurs. Donc pour ça, on va utiliser notre petit copain Paint. Ah putain, c'est putain d'écouteur. Mettons, je prends un truc comme ça. Techniquement, il faudrait que je garde les mêmes couleurs que les logos. Genre le thème, quoi. En fait. Mais ça risque d'être un peu trop clair. Donc je vais le foncer un peu. Je vais voir ce que ça donne avec le clair. Mais je vais essayer de le foncer. Ah oui, pardon. Le linter. Génial, ça n'a pas marché. Il nous monte en fait dans ce truc. Je suis désolée, mais le default info card, je l'ai vu. Il a en paramètre. Non, c'est où? Il a en paramètre color. Et color, ça prend ça en paramètre. À moins que je sois complètement en train de me planter. Bah si, c'est ça, c'est bien la couleur, color, c'est bien la fonte. Mais attends, peut-être que je suis en train de me planter complètement aussi de... Default prop. Ça ne change rien. Attendez. Où est-ce qu'on la trouve cette couleur à la con? C'est ça que je veux changer moi. Où est-ce qu'elle est? S'il faut, vous m'envoyez des messages depuis tout à l'heure et je vois rien parce que j'ai pas de deuxième écran. Et oui, c'est sur ma liste d'achat. Il faut que je m'attelle à en acheter. Ah, merci. Merci pour les couleurs. Pourquoi le live il a été coupé?
la fête. Je viens de voir des trucs bizarres passer dans ma... Oh, c'est moi. Ah bah tiens, mon leaderboard. Je savais pas qu'il fonctionnait. Je sais pas, il avait marqué le live est offline. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Par contre, le salut bébé, merci, hein, mais pas de ça chez moi. Hein. On m'appelle pas bébé. Je suis plus un bébé, moi. Ça fait longtemps que je suis plus un bébé. Faut que je trouve cette putain de couleur. Où est-ce qu'ils l'ont foutu? Prop type. Ah mais c'est dans les modules. Allons voir ce qu'il y a dans les modules. Type. Prop type. Bah non, c'est pas là. En même temps, le jour où il faudra toucher au notre module, on m'appellera. Voilà. Bon, c'est forcément quelque part par là. C'est dans le title, ici, quelque part, qu'il faut mettre la couleur. C'est pas ici. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de couleur ? Ça va m'engueuler. Ils se foutent de moi. Bon, je vais pas mettre la variable, je vais mettre en dur. Et oui, je continue à écouter. Alors, j'ai envie de changer. On va aller dans MK typographie. Bon, elle a cuit. Et ben.
Bon. Les gars, je vais faire une pause là-dessus. Je vais chercher de mon côté cette putain de couleur parce que j'ai pas envie d'y passer l'après-midi. Enfin, je vais y passer l'après-midi, mais c'est pas intéressant d'y passer l'après-midi en live. Merci d'avoir regardé. C'est la première fois que je fais ça, que je fais du dev en live. Parce que bah, je suis pas super forte, donc je me dis que ça doit être relou de voir quelqu'un galérer comme ça. Mais bon, je me suis dit que ce serait intéressant pour moi de le faire, c'est un travail intéressant. Parce que comme ça, enfin, c'est un peu le truc du canard en plastique, quoi. Genre, on expose son problème, on parle à voix haute, et tout d'un coup, bah, ça nous permet de résoudre notre problème parce qu'on arrive mieux à le poser. Donc voilà, je vous ai utilisé. Je vous souhaite bonne app et à plus.